Didier Bouchard, je suis associé fondateur et directeur général de Flournoy et associé gestion et président du comité de sélection de la filière gestion d'actifs de Finance Innovation. Les enjeux d'innovation de la filière gestion d'actifs sont nombreux et historiques puisque la filière gestion d'actifs et le métier de gestion d'actifs depuis une trentaine d'années n'a cessé d'évoluer. C'est un secteur important, le deuxième européen en termes d'encours au niveau donc de ses activités. Et donc les innovations aujourd'hui peuvent se traduire au travers de quatre thématiques essentielles: le machine learning ou l'intelligence artificielle, le blockchain, big data. Nous avons également comme autre activité tout ce qui est lié au robot advisor. Ce sont là les principaux thèmes, je dirais, centraux de l'innovation, sachant qu'à côté de cela, nous avons tout un tas d'autres thèmes innovants qui viennent compléter, qui viennent, je dirais, conforter nos activités de gestion d'actifs historiques, donc en France. Les projets labellisés répondent parfaitement à ces enjeux d'innovation puisqu'en fait ils permettent d'apporter toute la créativité de cette filière. Ils permettent surtout d'aider les porteurs de projets sur tous ces axes d'innovation de manière ouverte et aux yeux de tous, qui leur donne une certaine légitimité, une certaine crédibilité en tant que projet. Et puis surtout, ils participent au côté dynamique de la place de Paris en gestion d'actifs. Donc il s'agit là d'éléments essentiels au début d'un projet, de se faire connaître, de se faire valoir et de pousser donc à cette innovation auprès de toute la place parisienne.